Ok les gars, les trappes s'ouvrent. Ça va commencer avec la bombe à gauche que vous voyez sortir. Oh, 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 ah, 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 on va mourir. Ah, ah bah oui, hein, quand ça touche, ça fait boum, hein. Et les enfants, ça suit. Et on arrive bientôt, soyez sages à l'arrière. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, la Waco, hein, évidemment. Une corporation de joueurs, de professionnels, de Star Citizen, des joueurs vétérans qui maîtrisent évidemment toutes les facettes du gameplay. Spécialisés dans des gameplays d'exception, évidemment. Nous sommes une corpo d'excellence, comme vous pouvez le voir. C'était ça l'event, en fait, on vous a pas dit. L'event ce soir, c'est ça, en fait. Par contre, le brouillard, hein, on va rien y voir. Putain, la vache. Il y a plein d'entrées possibles, c'est assez grand. On n'est pas tant que ça pour défendre la zone. Bon, ils sont pas beaucoup pour attaquer non plus. Attends, on a quelqu'un sans mission et sans nom, là, ici. C'est qui, ça? Non, c'est Cliff. Avec un curseur blanc. Ouais. Ok, c'est Cliff. C'est moi, Cliff. Pourquoi il est blanc, ton curseur? Je sais pas pourquoi il est devenu blanc, mais ouais. Ah, super, le jeu est beau. Alors, par contre, comment je fais, là, maintenant? Attendez, je réfléchis à une strat. Oh, j'ai une idée. Oh, ça va être compliqué. Voilà, ça va être très compliqué. Putain, ça. Si le jeu était bien fait pour faire de la grimpe, pourquoi pas, hein. J'en suis vraiment à faire ça. Ça me fume. Poc. Voilà. Qui c'est qui tire? Ron? Tu tires avec quoi? Mercury. Mais tu vois là par exemple c'est bizarre, il y a des trucs que je peux pas le choper. J'arrive pas à le choper quoi. J'arrive pas à le choper. Ah voilà, ah, ça marche. Alors qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Oran, dépêche-toi. Ah ouais, t'as voulu me tirer dessus. D'accord. Oula. Reviens. Reviens là. Oh, je peux faire du boomerang. Oh, il va se la prendre au retour. Ah, let's go. Ah, je suis incapacité. Ah, je t'ai eu. C'est vraiment. Oh, l'arme mortelle. Ok, donc là, je suis à portée de récupérer une bombe. Et je crois que je suis assez loin pour pas être touché par les bombes. Allez, tentative. Moi, je propose une tentative. Je suis ready. 3, 2, 1. Je l'ai. Oui. Je l'ai. Désolé, mais je me cache. Oh, ah, putain, non. Elle a pété en arrivant devant ma gueule. Non. Je crois que t'as touché, je crois que c'est ça qui a fait. Mais non, mais putain, mais c'est putain de 5 de serveurs à la ramasse. Si ça tenait, en vrai, il y aurait pas de problème. Ok, là je crois que je suis pas mal. Je bloque le passage, il faudrait mettre la caisse de l'autre côté. La caisse de stuff, une fois que vous avez fini, il faudrait la déplacer pour la mettre là. Histoire de bloquer un peu le passage, pas qu'il puisse trop passer. Après on peut utiliser le Stevie pour bloquer encore un passage. Voilà, parfait, vous la voyez pas, c'est la truc, c'est ça. Je pensais que ça fait vraiment truc. Ah oui, ça fait vraiment partie du décor. Exactement, je l'ai bien passé. Ça fait vraiment partie du décor. Du coup c'est ça qu'il y a à défendre, donc c'est ce carré là. Donc vous voyez là, il y a cet angle là qui permet d'être barricadé. Ils peuvent arriver que soit de là. Ils peuvent arriver de sur la citerne, attention. Après on peut placer quelqu'un en haut pour surveiller. Oui. En vrai, c'est un bon spot de défense, je crois, en haut. Commencez à être vigilant, là, ça a commencé normalement. Oui, ça a commencé. Donc, soyez pas tous au même endroit, essayez de prendre un maximum d'espace. L'espace est très grand. Je pense que je vais me mettre là. Là, je suis pas mal, ça veut dire que je peux prendre des mecs à revers s'ils viennent ici. Là, je me cache là. Je suis tellement caché là. Bon, bah, y a plus qu'à. Hein. Moi, je suis caché, j'ai pas beaucoup de visibilité. Par contre, j'ai la visibilité sur l'entrée, ce qui veut dire que si les mecs viennent, je les verrai. Il y a un endroit en plein est à 600 mètres de nous avec beaucoup de véhicules. Ok, j'ai pas de visu. Il est derrière la montagne, c'est normal qu'on ait pas de visu. Ouais, Donc, ils vont pas tarder à arriver, restez vigilants. Je vois, alors 270 plein d'est, ils sont en train de monter sur la montagne. 1, 2, 3, 4, 5. Combien de personnes? 6 au moins. Ok, ouais, donc ils vont sûrement arriver plein nord, ils vont être. Ils auront le vent pour eux, donc faites gaffe à ça. Par contre, ouais, ça va marcher contre le vent, c'est un enfer. Ok, Cliff, je monte à bord du tank. Pour l'instant, garde la tourelle principale, je me mets en remote tourelle laser. Ok, c'est reçu. Ok, je les vois nord, plein nord. 1, 2, 3, 4.
Il y a une équipe de drop qui doit pas être avec eux, les gars, on reste attentifs. Ah, Danis prend le contrôle de la grosse tourelle. Drop, c'est parti. Ouais, c'est en train de full drop. On y va. On va giga attentif. Vas-y doucement, Cliff, quand tu te rapproches. On va longer la montagne devant nous par la gauche et on va retourner à notre base. Comme ça, si jamais on les croise, on les fume. En face de nous là, il en face de nous. Terrain. Tu les vois? Ouais. Je vois rien. J'ai vu. Avance doucement. Ils sont plusieurs, ils vous ont grillé normalement. Faites gaffe. On est trop loin là, j'ai pas de visuel. Hein. Allez, on rush, vas-y, on y va, Cliff. Ils sont trois. Ils sont là? Ouais, là. Ah oui, j'en vois. Avance un peu, Cliff. Fume-les. Adanis, barre-toi. Au pire, si tu peux. Alors voilà, c'est bon, là j'ai la portée. Je tire dessus. Tire au tank, tire au gros canon là. Voilà, ça, avance un peu. Ouais. Allez, y en a un devant toi. Ouais, là. Je peux pas tirer, il est trop bas. Ok, il est derrière le caillou. Je l'ai perdu. Il est derrière le gros caillou là. Au pire, je peux sortir du tank et faire. Tu fais diversion pendant que je vais le fumer. Si je me lève en étant là, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai. Tu penses qu'il y a des gens qui me voient là? Attends, il y a vraiment. Attends, quoi? Je suis choqué le sol là. J'ai des interactions avec l'environnement là. Ah, regardez, j'ai fait du housing dans mon séant. Incroyable. Eh, hey, vous êtes jaloux ou quoi, là? Il y a une petite plante dans mon séant, là. La couchette. Ah, j'ai pas d'interaction avec le... J'ai l'interaction que avec le séant. C'est presque bien calé, hein. Ouais, on est d'accord. Ça se conduit bien, ce petit truc de merde. Oh, oulala. Oh, ça va? C'est qui que j'ai shooté? Attends, c'est quoi, ça? Oh, je peux rouler dedans. Je peux foutre un méga zbeul. Alors... C'est pas ouf, hein. Je m'attendais à mieux. Par contre, attention à pas vous faire shooter. Ah, c'est marrant parce que sur la griffe physique, c'est lock. Ça bouge pas. C'est dommage qu'on puisse pas lock sur le pad. Oui. Oh. Alors là, c'est très satisfaisant, par contre. Je me sens... Vous voyez le gars dans le Seigneur des Anneaux avec son olifante qui roule sur les chevaux. Je me sens... Là, je suis ce gars-là, actuellement. Bah, c'était cool, les gars. Hein. Merci pour la soirée, hein. Oh putain, non! Vas-y, attends. Ne le lâche pas de vue, ce caillou, d'accord? Ne le lâche pas de vue, je sors de la tourelle. Non, merde, je me fais snipe. Il est où? Il est sur le... Non, je l'ai pas. Je me mets à couvert. Ah, j'ai visu aussi. Ils sont en train de se rapprocher de toi, Terada, sur ta gauche. Ils sont deux. Merde, putain, je vise comme une merde. Je suis à terre. Putain, j'étais en automatique. Je suis pas à full mort encore, je suis à terre là pour l'instant. Il y a un mec à côté de mon cadavre. Faut vraiment que quelqu'un vienne pour récupérer avec un rayon tracteur tous les cadavres pour les mettre dans le cul du tank et on se barre. Ça se base sur notre avant-poste. Non, le problème c'est que je peux mourir et revenir à poil. Hein. Faut que je récupère mon stuff. Vas-y, je me backstab. Je vais respawn comme ça. Par contre, mon arme elle va glitch dans le sol, fait chier. Ok, j'ai respawn. Ok, et je cours vers vous, les gars. Ok, je vais rentrer dans le tank. Maintenant, go. Ah oui, il a pris des dégâts de ouf le tank. Ok, là il y a un tank, un corps, je le prends aussi. Ouais, il y a encore un corps sur moi avec des armures. Ok, bah je le prends. Il est où, il est là? Okay. Je fais un scout. Go dans le tank et on y va, on se barre, on rentre à l'avant-poste. Il est 3 abîmé, okay. Le tank. Ok, et tous les corps sont dans le tank, tu peux décoller, on est tous dedans, c'est bon. Ils sont à 200 mètres à côté nord, Terada. Donc là où on est? Non, par rapport à vous, 200 mètres côté nord. Donc ils sont à côté de nous, ils sont pas loin, de l'autre côté du rocher en gros. C'est vous qui avez tiré? Ouais, ok. Ok, Soso, vas-y, tu l'as? Un mec tout nu. C'est peut-être qu'on n'a pas fait gaffe. Ah oui, tu l'as? Il est mort. C'est Big Max qui était à la toile. Il est down. J'ai un spot pas mal là pour surveiller ce qui se passe dans cette direction. Par rapport au gros caillou qui dépasse, ils arrivent gauche ou droite? Gauche du côté de Sauce du coup. Un homme nu en 210. Ouais, ouais, montrez pas trop vos têtes, ouais. Hein, c'est possible. Ok, ça court. Montrez pas trop vos têtes, je pense que ça n'a pas pour qu'on le tue et que ça sorte les snipes. Restez bien à l'affût, hein, ils peuvent arriver de n'importe où. Oh putain, mais ils ont pris le contrôle d'un tank. Attends, non, c'est des tirs de tank qu'on voit. Fais gaffe, Sauce. Ouais, oh là là, moi je vais essayer de m'infiltrer. On va voir si on trouve des trucs. Là je vois qu'il y a un Hercule là-bas. En fait, l'idéal c'est que s'il y a des transporteurs qui arrivent, il faut pas qu'ils voient de signature sur place autre que les vaisseaux posés en fait. On fait attention qu'on ne voit pas. Il y a des vaisseaux posés partout. Qu'est-ce qu'ils font là? Donc, ça c'est un restant de vaisseau, ok. En gros, l'idée là c'est de se planquer jusqu'à ce qu'un transporteur arrive pour acheter du RMC. Il faut attendre que le mec achète du RMC, retourne à son vaisseau, ouvre la porte pour rentrer dans son vaisseau et le fumer à ce moment précis. Et une fois que tu l'as fumé, là tu prends son vaisseau et tu. Retourne vendre sa cargaison. Par contre, Electro, si tu prends l'aggro, fais gaffe, les PNJ sont vénères. En vrai, faut que je trouve un point. Pas que je bouge trop en vrai, parce que premier degré, c'est le mouvement qui fait que je peux me faire repérer. Ah, le constat est de retour. Donc ça veut dire qu'il y avait rien dans Reclaimer, sinon il l'aurait scanné. Il tire sur quoi? S'il se pose. Il a l'air de piloter un peu comme un bourrin. Mais ça nous arrive à tous. On peut appuyer sur le bouton pour fermer la porte. Il va le faire peut-être après. Attends, ça va le faire tout seul quand il va passer en quantum. C'est où le bouton là-dessus déjà? C'est derrière, c'est à côté de toi, il est trop, je crois. Ça remonte. Il va quantum.
Il se doute de rien pour l'instant. Ne le bute pas encore. Faut que j'aille voir s'il y a du cargo derrière. Ou c'est un consté. Non, il y a pas de cargo. Comme ça sert à rien. On fait quoi de lui? Il est sur un avant-poste. Ok, retourne te cacher, Electro. Ah, j'ai peut-être une idée. Je peux rentrer là-dedans? Oui. Est-ce que je peux? Oui. Ok, là il va chercher un autre spot. Il va essayer de voir s'il peut acheter ici, je pense. Attends, mais il y a un. Putain, il y a un Hercule juste devant. Oh, j'ai un mec derrière le tank. Je crois que je l'ai buté. Je suis pas sûr. Il y a des boucliers actifs. Je cours dans le tank. Il est où? Ok, le tank est à moitié détruit là. Sauce, il est entre toi et moi, le mec qui tire. Oh, je l'ai. En face de ces deux. J'ai tiré une balle sur le mec qui avait le tank. Sauce, okay, il est juste entre toi et moi, légèrement direction sud. Oh putain. Viens avec ce pont en fait, viens sur Oran. Sauce, si tu viens vers moi, tu vas les prendre par revers. Oh, je me fais snipe. Je me fais flaguer. Entre à côté du tank. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Okay, moi, je suis à terre. Ouais. Je suis à terre. Quelqu'un peut me raise ou c'est... Enfin, Sauce, tu penses qu'il y a moyen où tu me raise ou... J'arrive. Il y avait un mec près du tank qui m'a. Le mec qui m'a fumé, il était près du tank, ok. C'est toi là. Attention, tu t'es tiré dessus. Tu t'es tiré dessus. Il me tire dessus. Ok. Mets-toi couvert. Je vais essayer de prendre les choux. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Oh putain, j'étais en troisième personne. Oh, je suis couché. Les tirs viennent du cul du C2. Ça vient du cul du C2, je confirme. Ah, je me fais asmat. Allez. Allez, okay. Je me suis soigné. Couvert derrière le tronc. Oh, c'est quoi qui a pété? Oh, je me. C'est moi, Cliff. What? Il y a trop de monde, je peux pas. Va derrière le tronc si possible. J'essaye, mais là, c'est compliqué. J'ai 3 points de vie. Et, je suis à 81. Mad Gun qui marche pas. Je leur tire dessus. Ah, ouais, c'est bon, je suis full T2, T3. Je pense que je vais rentrer à l'avant-poste, les gars. Je suis pas en état de me battre. Essayez de rentrer au plus vite, les gars. C'est une défense, c'est pas une attaque. Ouais. Bon, je dois faire un mouvement circulaire, ce qui veut dire que quand tu vas lâcher la bombe, je dois la choper et ensuite je dois bouger le bras vers la droite pour que la bombe, avec l'effet élastique, rebondisse vers la droite. Ça va être technique. À partir du moment où la bombe est sortie de ton orifice, tu te casses, Toolink, d'accord? Je suis prêt. Oh putain. Je l'ai! Je l'ai! Et maintenant, j'ai plus qu'à la lancer! Let's go! Je suis un Bomberman! Oh putain! Ah, on était si proche! Ça va, Toolink? J'aurais pu la lancer plus haut! Toolink, quand tu veux, tu me fais un petit décompte. 3, 2, 1, largué. Je l'ai. C'est largué. Je l'ai. Oh putain. Je la charge au max, je vise le ciel et je tire. Oh. Putain de dessin de merde. C'est pas possible ce jeu. Ok, je l'ai bien en main. Je fais hyper attention, mesdames et messieurs. Largage de la bombe. Je charge le tir. Je vise le ciel. Non. Putain de merde, merde. Genre là à 45 degrés, ça me semble pas mal. Allez, c'est parti, je charge. Oh, elle part. Oh, elle retombe. Oh, elle va bien là. Oh, elle est pas mal là. Olé, let's go. Nice. C'est bon, la TLS est une arme de destruction massive. Vous pouvez voir au-dessous de vous une planète entièrement explosée grâce à des ATLS entièrement équipés de bombes de taille 10 qui ont permis au bombardement monumental de cette planète qui n'en est plus une, évidemment. Accrochez-vous bien, ça va rebondir. Donc on charge le tir, on reclique. Non, je l'ai pas. Attention Dash, barre-toi. Mais va pas dessus. Mais il est fou. Oh, il s'est fait éclater. Non, il s'est fait juste éjecter. Trop bien. Mais putain, pourquoi ça marche pas? Ça marche plus. Oh, il m'a gavé, c'est bon. Oh, il m'a gavé. Oh merde, H, non, il est mort. Mais c'est encore leur curseur de merde là qui apparaît pas comme il faut. Par contre, il a aucune idée qu'il a des passagers clandestins. J'ai l'impression qu'il fait le tour des avant-postes, puis il chasse juste des cibles, il fait des kills. Est-ce qu'il cherche du cargo peut-être? C'est un peu flippant. Par contre, il a une bonne armure lui. Juste pour son armure, il vaut le coup le mec en fait. Electro, on s'est embarqué dans un truc là, je sais pas comment ça va se finir. Ok, Mizandre a rejoint le groupe. Super Ultimate. Il va rien comprendre si on le fume là, mais on peut complètement le fumer à tout moment là. Electro, on va se mettre devant lui, on attend qu'il bouge et on le fume comme ça, et on veut pour être sûr qu'il soit pas AFK. Ok, il est aux commandes. Surprise, motherfucker. Allez, ça c'est fait.
Oh, il a rien compris. Ah, lui, il a rien compris, c'est sûr. Il est où son cadavre? Non! Son cadavre a disparu. Il a dû faire une putain de crise cardiaque, le mec. J'en vais tellement avoir son point de vue. Je sais pas si la VOIP a marché, mais. Oh! Il est en prison, normal. Ah oui, c'est vrai, il est en prison. Va garder les phares allumés, hein, si comme ça. De toute façon, ils savent que t'es là, donc autant que tu spots bien ce qui se passe. Où ouais. Je suis là. J'ai 18. Go! Traité. Deuxième contact. Ouais, j'ai visu. Il y a des hitbox là-bas. Ah, j'ai touché. Touché. Ça marche pas. Touché. C'est des hitbox de merde, je te dis, là-bas. Mais wesh. Oh non. Oh là. Oh là. Non, non, non. Ouais, pareil. Ça, c'est bien. Ouais. Oh dans je l'ai eu. Je l'ai eu, mais je suis à terre aussi. Ah, merde. Je me fais faim. Je me fais snipe. What? Deux tirs. Mètres. Deux tirs, je me suis fait snipe. Il est juste caché par les pseudos black. Ah, il y en a qui vient de run sur le côté okay. Sud, côté Kavaraf. Attention. Ok, j'ai ouais, visuel. Les gars, c'est exactement où il est. J'ai vu sa petite lumière là. De... Plein sud. Il y en a un autre. Big Max, plein sud. Mort. Non, derrière. Non, putain. Oui, mais quoi? Menu derrière nous. Attends, faut que je prenne leur stuff. Je suis mort. Un dernier drop sera fait sur votre sur le pad juste à côté de vous pendant l'attaque. Ouais, et remettez-vous tous bien full life, full stuff, full munitions. Allez, mettez-vous full life, chacun sa position ouais. Initiale. Ah, plein sud, Nova Tank et le STV lance missile Gatling. Je l'entends. Plein sud. Oh, ça tirait là, c'était vous. Tire de Raigun côté ouest, dans les rochers comme tout à l'heure. Aldé, tu bouges pas, on s'occupe de lui. Oui. Gaffe, il y a le temps du canard de la zone. Il hein. Ah, y a Manu qui avait des infos. Il y a une balle de B6, il y a un sniper pas loin. Putain. Mais il fait quoi avec son drop là? J'en ai très bien. Putain. Ah merde. Ils sont où là dans l'avant-poste? Plein sud côté nerf, il y en a qui m'a traité. Ouais. Je sais pas si j'ai. Ah, j'ai le visuel sur le tank. Bon, attends. Ok, ça drop. Là, il drop. Oh, ATSL, mais je m'en fous des ATSL, c'est pas le moment là. Attends. Attends, mais il y a Black. C'est qui a un ATSL là avec un point vert là? C'est un allié ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un ATSL? Ils sont dans la base. Ok. Je suis toujours en VIP. Oh putain. On run down. Ça marche pas. Ils sont. Oh putain, je suis pas bien là. Soigne-toi d'abord en priorité. J'en ai eu un. Non, c'est vous ça, putain. Il se rapproche, en mais quoi, mais genre, je tire dedans, il y a rien. En fait, j'avais vos pseudos et je vois rien à part les pseudos en fait. Il y en avait un qui était là derrière. Oui. Ça marchait étrangement bien quand même. Oui. On est des alpha testeurs ici. Oui. Non. Putain, non, je voulais sauter. Non. Aïe. Oh putain, le con. Ça. Ah, c'est lourd, une torpille. Tac. What? Oh oui, elles ont pas pété. Si je la touche, moi, il se passe quoi? Rien. C'est incroyable, pourquoi? Oh, c'est très beau ce que tu fais, c'est très doux. Magnifique. Ah, c'est beau. Oh, c'est le sapin. Maintenant, ça, tu peux tirer dedans avec une torpille. Et vous essayez de récupérer la torpille avec le rayon tracteur. Oh, bordel. Mais choper ces torpilles, bordel! Oh, mais c'est... Bah, en tout cas, d'un coup, la bombe... Bah... D'accord, ok. J'ai rien dit. Si vous voyez mon pseudo, on est plusieurs à être morts sur ce spot. Et là, ils sont en train de se barrer. Ils sont sur le toit, peut-être. Je vois des pieds sur le toit, là. Ils sont au-dessus, ils sont à l'étage. Attends, ils cherchent la caisse. Ouais, si vous nous raisez, les gars, là, vous pouvez nous raise. Si vous voyez mon point, vous voyez mon point ou pas? Si ça marche pas, au medgun, medpen et ou piquer le corps directement. Attention, à droite de l'allée. À droite de l'allée, il y a un mec qui arrive par l'entrée. Il arrive par l'entrée. Il vient sur mon corps. Attention, Arius. Là, je suis mort. Oh putain. Ils sont deux, laisse tomber. Ils me regardent, ils ont pas l'air contents. Oh, ils vont me finir. Ils font quoi? Ah non, ils jouent avec mon corps. Ah non. Est-ce que vous... Ah non, c'est pas mon corps. Ouais, bon, allez, hop là, c'est bon, je suis dead, c'est bon. Ah, dommage. Merde, je suis dead. Un tir de snipe. Alors, maintenant, il faut qu'il trouve la caisse. S'il la trouve pas, on a gagné. Mais attends, mais je suis toujours le dernier en vie, enfin... Non, je suis aussi incapacité, mais... Je crois qu'on peut me raise aussi. C'est compliqué. Ah. J'ai trop envie de me pointer avec un petit A2 pour aller lâcher... Ça, mais il tire au Raigun, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh non, il m'a fini. Oh, pas de chance, je me suis pris un tir de vaisseau. Ah, c'est toi, Black? Alors non, ce n'est pas moi qui vous ai tiré dessus. Par contre, c'est bien moi qui ai donné l'ordre à la sécu d'envoyer une pluie de missiles sur zone et de décimer tout ce qui restait sur place. Ah, petite cochonne, ouais. We'll be right back.
C'est quoi cette expérience? Bah écoute, on fait un circuit de course. J'adore faire ça en vrai. Le MPUV rayon tracteur, c'est génial. Attendez, je prépare la petite ligne de départ. On est pas mal. Là on a la petite route devant nous, là, c'est bien. Ok les gars, on touche plus à rien. Et du coup, il faudra passer à l'intérieur du... Enfin, l'intérieur le plus proche du cercle. Sachant qu'il faut faire attention de ne pas être à portée du tank. Là, par exemple, il y a un petit piège. Il faut passer à l'extérieur, sous les containers. Donc, je vous propose, tout le monde a son PTV. Hein, et le dernier en vie gagne. 3, 2, 1... Let's go! Feu! Oh là! Oh putain. Oh, c'est sport. Oh, c'est si cool en vrai. Ah, ça passe par là, ça passe nickel, ça passe. Oh, il est en feu, coquille. Oh non, merde. Ah, meilleur gameplay. Ah, adieu. Adieu. Ah, non. Non. Oh, ah, oh, j'en ai dans le cul là. Oh, je suis en feu, je suis une fire. Ah. Aïe, oh. Oh, je suis un thug. Je coupe la route. Aïe, non, pas comme ça. Oh, il a pété. Je suis le dernier. Je me sens sous pression, là, un peu. Tellement d'orga pour un plaisir si court et si intense comme le sexe. C'est vrai.